Hello les amis, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à découvrir une toute nouvelle histoire, enfin plutôt un tout nouveau film? Cette fois-ci, on va s'attaquer à Jumbo Josh, car on avait fait Opie la Bird, mais dans la suite logique, logiquement, on est censé faire le fameux Jumbo Josh. Donc c'est ce qu'on va faire, on va découvrir un petit peu le film de Jumbo Josh. La miniature va vous donner envie, je sais pas, on dirait une petite boule de poils, il a l'air trop mignon. Donc on va aller découvrir son film, qui est un film triste, c'est les origines tristes de Jumbo Josh. Donc on y va, c'est parti. Allez, ça commence. Jumbo Josh n'a pas toujours été méchant. Allez, il est trop mignon en vrai. Il y a un petit alien en plus. C'est une histoire très triste. Voilà, donc comme d'hab, hein, introduction, sad origin story. Il était une fois dans une petite ville entourée de forêts verdoyantes. Il y vivait un brillant médecin nommé Dr. Alexander Franklin. Ou Franklin, spécialisé en génétique et connu pour son travail révolutionnaire dans la création d'organismes artificiels. Mais son fils unique, Josh, menait une vie solitaire, sans amis. Il se moquait toujours, enfin on se moquait toujours de lui, de sa nature gentille et douce et sa personnalité introvertie, ça lui rendait difficile la connexion avec les autres. Le docteur Franklin se sentait triste pour son fils et voulait le rendre heureux. Alors, il a utilisé ses connaissances. Oh, je sens qu'il va y avoir une dinguerie. Pour créer un ami spécial pour Josh. Ok, j'avais peur qu'il transforme son fils, genre. Travaillant sans relâche dans son laboratoire, il a essayé de nombreuses méthodes différentes. Mais rien ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce que finalement, quelque chose se produise. Il va réussir à créer Jumbo, vous pensez? Il a créé une créature remarquable en utilisant une combinaison de génétique et de technologie avancée. Dr. Franklin a créé un tout petit mignon monstre vert. On dirait un peu un tétard un peu. Un amphibien. Il attendait l'anniversaire de Josh. Et il lui a offert la créature verte pour lui. Enfin, il l'a en gros offert la créature. Dans l'espoir de le revoir heureux. D'apporter du bonheur dans la vie de son fils. J'espère te voir heureux. Je t'aime, papa, ok? Josh était vraiment très heureux. Il a finalement trouvé un ami. Hey, je sais pas ce qu'ils vont nous faire là pour que ça se termine tristement, mais j'ai peur. Josh a rapidement nommé son petit ami. Il l'a appelé Jumbo Josh. À partir du moment où Josh a posé les yeux sur Jumbo Josh, un lien s'est formé entre eux. Ils sont rapidement devenus les meilleurs amis. Et Josh a trouvé le réconfort et le bonheur chez son nouvel ami. C'est trop mignon. Jumbo Josh était drôle, joueur, et voulait partager absolument tout avec Josh. Ils étaient inséparables. Jumbo Josh est devenu le confident de Josh. C'était son camarade de jeu. Ok. Le père de Josh était si heureux pour son fils, mais il n'a donné qu'une seule règle. Il ne devrait jamais sortir de la maison pour la sécurité de Jumbo Josh. Ok, donc il est obligé de rester à l'intérieur avec lui, il ne peut pas le sortir. Ils apprécieraient tous les deux les mêmes choses, ils appréciaient. Ok, ils avaient le même plat préféré et c'était les spaghettis. Ils adoraient jouer à des jeux vidéo ensemble. Et Jumbo Josh, il se tape sa meilleure partie de Garten, là, ça me termine. Là, ça se passe bien, c'est cool. Ok, souffler des bulles, faire des bulles. Lire des livres avant de dormir. Et faire en gros de l'acting, donc faire des petites pièces en gros. De théâtre, des petites scénettes. Jumbo Josh aimait tout autant Josh. Mais une après-midi ensoleillée, ils ont été tentés par le beau temps dehors. Ah non, ils vont sortir et je suis sûr que ça va le brûler ou un truc comme ça. Ils ont décidé de briser la seule règle qui leur avait été donnée
et d'aller jouer dehors dans le jardin. Tout à coup, leur bonheur a été interrompu par les regards indiscrets du voisinage. La voisine était effrayée par la vue de l'étrange créature verte. Elle a été terrifiée et a rapidement alerté les autorités. Des rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans toute la ville, décrivant Jumbo Josh comme une créature dangereuse et menaçante. Oh là, non, mais il est tout sauf méchant, il est adorable. La police est arrivée. Ah, je crois qu'ils vont l'arrêter, à mon avis. Aïe, 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 aïe. Déterminé à capturer la menace, ils sont entrés dans la maison, en gros, du Dr. Franklin. Ils ont utilisé des hélicoptères et ont envoyé des équipes de la SWAT, en gros. Ils voulaient capturer la créature verte effrayante. Ils ont traversé les fenêtres et la porte. Mais ils ne l'ont pas fait. Ah, ok, en gros, à mon avis, il a réussi à les planquer. Dr. Franklin les avait vus et a décidé d'aider son fils. Et Jumbo Josh a s'échappé. Connaissant les bois à proximité, ils ont attrapé Jumbo Josh et l'ont conduit de force, voulant se cacher. Attends, je comprends pas là. Ils ont réussi à les attraper ou finalement eux ils s'en sont sortis? Alors que les autorités les poursuivaient, ils ont couru à travers les arbres. Leur cœur battait en gros à 100 à l'heure. Ils ont essayé de convaincre les autorités qu'ils étaient, perdus. Mais les autorités étaient implacables dans leur poursuite. Ils se sont rapprochés d'eux. J'espère qu'ils vont pas le tuer quand même. Ils ont envoyé en gros des décharges de tranquillisants pour capturer Jumbo Josh. Des grenades tranquillisantes, alors ça j'avais jamais vu. Une des bombes ont coincé le Dr. Franklin et Josh. Un nuage de fumée les entourait. Ok, c'est une grenade fumigène. Ils tombèrent à genoux. Le puissant sédatif était beaucoup trop puissant pour que leur corps résiste. Jumbo Josh, voyant le médecin et son meilleur ami, Josh, immobile sur le sol de la forêt. Attends, c'est eux qui sont en gros, mais ils sont évanouis. Ils sont pas morts, mon petit Jumbo, t'inquiète. En même temps, lui, il voit ça, frérot. Il laissa échapper une guerre déchirante. Quoi? Ah non, mais oui, comme Moby la Bird. Il s'est transformé du coup, j'imagine, en le grand Jumbo Josh. C'est devenu un vrai monstre pour le coup. Mais ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Une transformation a commencé à opérer. C'était effrayant. Jumbo Josh a juré de prendre sa revanche. Voilà, c'est plus du tout le petit Jumbo Josh qu'on avait juste avant. Et bah écoutez, franchement, l'histoire a été encore incroyable, super triste. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois que ça se termine mal? Tout se passait bien, il avait trouvé son meilleur ami et inversement, Josh avait enfin un ami et tout avec qui il pouvait s'amuser. Ils ont brisé une seule fois la règle de ne pas sortir dehors et il a fallu qu'une vieille les remarque, appelle les autorités et là c'est parti complètement en vrille. Et voyant à la fin bah, les deux corps, en gros le corps du père du Dr. Franklin là et le corps de Josh, il a pété un câble littéralement et il s'est transformé en un vrai monstre, en Jumbo Josh, celui qu'on connaît très bien. Mais c'était une histoire de fou, encore une fois j'adore vraiment cette chaîne, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous avez passé un bon moment, que vous n'avez pas trop pleuré devant cette histoire, il était trop mignon ce Jumbo Josh. Vous me dites tout ça dans les coms, explosez la barre des likes avant de partir de la vidéo, ça soutient énormément vous le savez, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si toi c'est pas encore fait, comme ça vous ratez pas les futures vidéos ni les futures histoires. Allez, c'est votre hit, je retiens pas plus les BG, ciao ciao.